Bonjour, docteur. Bonjour, madame Ruff. Que mangeons-nous? J'ai faim. Du chevreuil grand veneur. Je crois que vous aimerez ça. Et j'en suis sûr. Il y avait du courrier. Oui, il est sur votre bureau. Lippert? Docteur Lippert? Oui, c'est bien moi. Allez-vous à vos écuries cet après-midi? Oui. Dites-moi qui vous êtes. N'y allez pas. On veut vous tuer. Vous plaisantez. Je vous dis que quelqu'un veut vous tuer. N'allez pas aux écuries, je vous en prie, n'y allez pas. Ce n'est pas une plaisanterie. Je parle sérieusement. Que Dieu vous garde. Le déjeuner est servi. J'ai cru que ça vous ferait plaisir. Comment est la viande? Excellente. Vous m'avez trop gâté. Dites-moi, docteur, vous allez à vos écuries? Mais pourquoi? J'aurais bien aimé passer voir ma sœur, si vous m'y autorisez. Oh, bien sûr, je vous en prie. Je vais aller à mes écuries. Comment, vous êtes de retour? Oui, je ne me sens pas très bien. Mais vous pouvez sortir, madame Wolf. Vous laissez en ce moment? Je reste auprès de vous. Non, sortez donc. Thank you.
Lippert. Dieu soit loué, vous êtes encore en vie. Mais je vous en prie, je désire savoir qui vous êtes. Non, non, je ne peux pas vous le dire. Mais je vous préviens encore d'une chose. Faites très attention, même chez vous. Vous avez un jardin. Oui. Mais comment est-ce que vous le savez? J'en ai entendu parler. Ne faites pas d'imprudence. Ne sortez pas dans le jardin, surtout la nuit. Allons, dites-moi qui vous êtes. Si quelqu'un sonne à votre porte, demandez qui c'est avant d'ouvrir. Vous avez compris? Oui, je vous ai parfaitement comprise. Seulement, je vous en prie. Qui est à la porte? C'est Madame Vol. J'ai oublié le trousseau de clés. Qu'est-ce qu'il y a là, votre voiture? On a cassé la vitre? Non, non, allez chercher vos clés. Oui, mais on croirait des traces mais de... Mais voyons, ne vous faites donc aucun souci. Quelle belle journée. Comment ça? On vous a tiré dessus? Oui, donnez-moi votre nom et votre adresse. Oui? Où cela s'est-il produit? Ok. Bon, monsieur Lippert, on a retrouvé une douille. Elle doit provenir d'un 308. Une seconde. Oui? Ah, c'est toi, Stéphane. Nous avons presque terminé. Je vais à la villa à Lippert. Entendu, c'est tout. Une voix assez jeune, je suppose. Ce n'est qu'une idée, mais il me semble que cette fille doit être très jeune. Enfin, c'est mon impression. Est-ce que vous l'aviez déjà entendue? Non, jamais. Vous nous disiez que cette jeune fille vous a téléphoné plusieurs fois. Oui, lorsque je suis revenu, elle a dit, avec peut-être un ton soulagé, « Dieu soit loué, vous êtes encore en vie. » Avez-vous dit quand vous avez tiré dessus? Non. Pourquoi non? Je n'en sais rien. Elle m'a dit de ne pas me promener dans le jardin, de faire très attention à moi, de ne pas sortir pendant la nuit. Elle a dit de demander qui c'était avant d'ouvrir la porte. Oui. C'est une sacrée veine d'avoir un tel ange gardien. Mais dites donc, avez-vous une idée quelconque ou un soupçon sur la personne qui est derrière tout ça? Absolument aucun. Voyez-vous, cette affaire me paraît tellement incroyable. Enfin, je trouve si étrange que quelqu'un ait pu essayer de me supprimer. Seulement, il faut sans doute que je le prenne sérieusement. Oh oui, sans aucun doute. Très sérieusement. Pour revenir à votre ange gardien, je crois qu'elle vous rappellera. Et dans peu de temps, je crois. Car elle voudra sûrement savoir si vous avez suivi ses conseils. Avez-vous chez vous quelque chose qui pourrait faire un enregistrement? Non. Alors, demain, nous en installerons un magnétophone. Oui. Docteur, si nous parlions maintenant un peu de votre situation personnelle... Eh bien, je suis divorcé depuis 5 ans. Mon ancienne femme vit à Munich. Sa santé est bonne. Il n'y a pas d'enfant. La famille, ben, j'ai mon frère qui habite aussi à Munich. Il est... Ben, je ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, j'ai peu de relations avec lui. On se voit 2-3 fois par année. Il a 2 enfants qui sont grands. Ma profession,
Eh bien, je possède une petite fabrique de machines spéciales d'impression. J'ai des brevets aussi. Une usine moderne qui n'a pas une énorme importance. Nous sommes une cinquantaine, que vous dirais-je, de plus. Je mène une vie tranquille et je vis très retiré. Mmh. J'ai pour gouvernante Madame Wolf, qui est ici depuis 20 ans environ. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peu de choses. Il tient à ne pas quitter sa belle maison. Sommes-nous obligés d'attendre qu'il arrive un pépin ? Comment tu le trouves ? Sympathique, calme, introverti. Oui, ne rien faire n'est pas la bonne solution. Que signifie tout cela, docteur ? Je ne dois ouvrir ni porte ni fenêtre. Vous savez ce que cela représente. Si vous avez peur, vous pouvez vous sauver le temps que ça s'arrange. Ça n'est pas une réponse. Derrick. Ah, mais non, monsieur Lippert, vous êtes le bienvenu. Une simple question, inspecteur. Jusqu'où doit-on prendre ça au sérieux? Moi, je prends ça très au sérieux et je vous conseille d'en faire autant. De ne pas faire de faute, est-ce que c'est compris? Oui, d'accord. Je vous remercie. Désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Bonsoir, inspecteur. Les pertes refusent de croire au danger. Voulez-vous quelque chose? Alors je vais aller me coucher. La lumière est allumée dans le jardin. Bonne nuit, Madame Wolf. Bonne nuit, docteur. Vous auriez pu vous faire tuer. Vous souffrez? Ça ira, ce n'est qu'une égratignure, heureusement. Je pense que j'ai eu de la veine. Et moi qui n'y croyais pas. Jamais je n'aurais pensé qu'on voudrait me descendre. Dès demain, voyez votre médecin traitant qu'il change votre pansement. On cherche seulement. On n'a guère de chance de trouver. Je ne peux plus vivre dans cette maison. J'ai déjà fait tous mes paquets. Dès ce soir, je vais chez ma sœur. Je l'ai averti par téléphone. Oui, excellente idée. Bonne nuit. Vous me comprenez, j'espère. Eh oui, bien entendu. Alors, bonne nuit. Mais demain, je vais revenir. Merci, docteur. De rien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ben, mon collègue va passer la nuit ici. Non, c'est inutile. Oh, que si, je trouve ça utile. Voyez-vous, je n'ai pas peur. Je crois que je suis un peu surpris. Je suppose qu'il n'arrivera rien cette nuit, mais par prudence, tu restes avec lui. Entendu, entendu. C'est bizarre, il reste d'un calme absolu. Oui, c'est étonnant. Surtout de la part d'un homme qui a failli se faire abattre deux fois. Peut-être ne dit-il pas tout. Peut-être, seulement, ce n'est pas son style. Je serai là demain matin. Bonne nuit, Stéphane.
Allô? Encore vous? Allez, répondez, je sais que c'est vous. Quelqu'un m'a tiré dessus. C'est vrai? Oui, il y a quelques minutes. Pourtant, je vous avais dit de ne pas aller dans votre jardin. Vous voyez, j'ai toujours cru que c'était une blague. C'est bien pour cela que je vous avais prévenu. Oui, oui. Je sais maintenant que vous aviez raison. Est-ce que vous avez été blessé? Non, rien de grave, c'est pas la peine d'en parler. Une éraflure, je suis vivant. J'ai encore eu la chance de passer à côté. Dieu soit loué. Oui. Oui, écoutez. Non. Ne me demandez rien. Je ne peux rien vous dire. Je suis heureuse que tout soit bien passé. Bonne nuit. Oui, venez. Oh, excusez-moi, j'ai entendu le téléphone et j'ai cru que... Oui, c'était la voix. De nouveau, cette fille. À présent, je suis sûr que c'est la voix d'une jeune personne. Que vous voulait-elle? Savoir, bien entendu, si je n'avais pas eu trop mal. Lui avez-vous demandé qui elle était? J'en avais l'intention, mais elle m'a demandé de ne pas le faire, qu'elle ne dirait rien. Elle a ajouté que ça lui faisait plaisir que je sois encore là. Mais pourquoi téléphone-t-elle? Alors, si elle vous retéléphone, vous appuierez sur ce petit clavier. Vous n'avez rien d'autre à faire. La bande tourne et enregistre la conversation. Et de notre côté, nous avons la table d'écoute. Aucun risque de vous tromper. Tout est automatique. Voilà, messieurs. Puis-je vous parler? Naturellement. Les choses se présentent bien. Monsieur Lippert, nous devons connaître tout votre entourage, professionnel ou privé. Bon, alors, où en êtes-vous? Je ne peux plus passer toutes mes nuits ici, et je ne crois pas qu'on puisse m'y obliger. Non, mais je pense que pour l'instant, il n'y a pas de crainte à avoir. Ça, je suis heureuse de l'apprendre. Vous avez fait trafiquer le téléphone ce matin. Ça veut dire que vous craignez quelque chose. Non. Seulement, je dois vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez très exactement de M. Lippert? Ce que je pense de lui? Que voulez-vous dire? Alors, voyons, répondez. Vous êtes chez lui depuis des années. Vous le connaissez donc très bien. Écoutez, je gagne mon argent. Le reste ne me regarde absolument pas. Je peux vous dire... Chez lui, il y a quelque chose qui cloche. Ses livres, sa musique, ses chevaux, rien d'autre ne l'intéresse. Rien. Il n'a aucun camarade, pas de relation, pas d'amis. Jamais il n'a pu aimer quelqu'un. Et son ancienne femme? Oh. Elle a su faire ses valises. Pourquoi est-elle partie? Pourquoi? C'est aisé à comprendre, je crois. Une jolie fille... d'une élégance raffinée, elle détestait son mari. Cet homme ne lui apportait rien d'essentiel. Tenez, voilà tout ce que vous m'avez demandé. Merci. Le nom de votre femme, où elle habite aujourd'hui? L'adresse de mon frère. L'adresse de ma nièce et celle de mon neveu, je les ignore. Celle de camarade, il y en a peu. Oui. Très peu. On peut les compter sur les doigts de la main. Et pourquoi? Parce que je suis un ours, voilà. Parce que, voyez-vous, je ne suis absolument pas quelqu'un d'intéressant. J'ai fait le nécessaire afin qu'une voiture de patrouille se charge de votre maison pendant plusieurs jours. Merci. Si vous nous y autorisez, j'aimerais bien aller jeter un petit coup d'œil sur votre fabrique, monsieur. Ah. J'ai demandé à Madame Wolf de bien vouloir répondre si quelqu'un vous téléphonait. Voulez-vous une tasse de thé? Merci, non. Vous venez. Pardon. Avez-vous une personne de confiance ici dans la fabrique? Qui vous donnerait des renseignements? C'est bien cela, monsieur, exactement. Mon bras droit, monsieur Wirth. Je lui ai déjà parlé des deux attentats. En outre, la presse a tout étalé. Naturellement, nous avons tous beaucoup parlé de l'événement, car la nouvelle s'est répandue. Nous avons tous été choqués pour bien des raisons. On peut savoir pour quelle raison?
Bon, je crois que c'est logique. Que va-t-il se passer pour le travail? Pour nous tous, pour nos employés? Que voulez-vous qu'il arrive? La concurrence pourrait racheter l'affaire, par exemple, ou bien nous liquider. Est-ce que la concurrence est aussi méchante que ça? La concurrence n'a pas de pitié, sachez-le. À ce point-là... Ah oui, vous pensiez méchante dans un sens plus large. À votre avis, jusqu'à quel point irait-elle? C'est difficile à dire. Que doit craindre Monsieur Lippert? Lui, d'abord. Je suis désolé de vous paraître peut-être brutal, mais... Que pensez-vous de Monsieur Lippert? Est-ce que vous lui rapporterez mes propos? Non, certainement pas. Je crois que ça peut vous aider. Il ne fait plus le poids du tout. Il n'est plus compétent, il ne fait pas ce qu'il faut faire. Nous devons le constater parce que c'est vrai. Je dois dire que c'était un formidable patron. Seulement, il n'est plus rien. Il est complètement dépassé. Il est à côté de la plaque. Depuis que sa femme l'a quitté, je crois qu'il est au bout du rouleau. Un instant, le téléphone. Maintenant, c'est moi qui fais tout. Merci encore. Que penses-tu de ce monsieur? Qu'il est glacial. La mort de Lippert, ça lui rapporterait quoi? Vous voyez, c'est un homme étonnant et il le sait bien. Il sait ce qu'il vaut, d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Toutes les affaires ont en commun une chose, le triomphe. Celles dont se charge Wirth sont primordiales, pour lui surtout. Seulement, mes affaires sont aussi ses affaires. Je crois qu'il ne me porte pas dans son cœur. Croyez bien que je suis au courant de ce qu'il pense de moi. Que pense-t-il, d'après vous? Il suppose que je suis idiot. Je crois que c'est une erreur. Je vous en prie. Je vous dérange? Une question qui, compte tenu des circonstances, présente de l'intérêt. Vous avez gardé chez vous certains documents. Oui. Ne croyez-vous pas qu'il serait mieux ici? Je vous les rapporte demain. C'est uniquement dans le cas où vous seriez de nouveau attaqué. Vous comprenez? Oui, vous avez raison. Parce qu'il faut qu'il soit chez nous. Je suis désolé. Il n'y a pas de quoi. Je comprends cela. Il calcule. Presque une manie. Et il spécule même sur la date d'une mort. Lippert. C'est encore vous? Oui. Je voulais savoir comment vous alliez. Merci, ça va mieux. Sachez qu'il ne s'est rien produit aujourd'hui. Non? La police surveille la maison. La police fait patrouiller devant chez moi. Je ne crains plus rien. Ils sont là pour assurer ma protection. Vous êtes allé à votre bureau? Oui. Vous avez un parking là-bas? Oui, naturellement.
Pourquoi? Parce que j'en ai entendu parler. Tiens, vous en avez entendu parler? Oui. Mais qui vous en a parlé? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je vous en prie, ne me le demandez pas. Si vous continuez, je serai obligée de raccrocher. Non, non, surtout, ne raccrochez pas, oublions ça. Excusez-moi, je ne poserai plus de questions. Parlez-moi un peu de mon parking. Je ne sais pas exactement. Seulement, je suppose que... l'on pourrait essayer de trafiquer votre voiture. Est-ce que vous avez mal au bras? Ça peut aller. Je n'arrête pas de me dire que vous avez eu beaucoup de chance. Est-ce que vous me connaissez? Nous nous sommes vus, peut-être? Non. Je ne crois pas avoir eu l'occasion de vous voir. Il faut que je vous quitte. Bonne nuit. Venez, je vous prie. Merci. On me l'a dit, naturellement, et d'autre part, je l'ai lu. Mais j'ai cru à une blague. Je me demande pourquoi on a pu te tirer dessus. J'y comprends absolument rien. Vouloir tuer un homme aussi charmant. Je suis désolée. Ah, venez donc. Vous vous connaissez? Je n'ai jamais eu ce plaisir. Monsieur Hoffner, une de mes relations, mon mari. Et voici Monsieur Derrick. Quel est votre grade? Vous êtes commissaire? Pas exactement. Inspecteur principal. Plusieurs attentats. Quand j'ai appris tout ça, je ne sais plus à quoi j'ai songé. À une erreur. Et puis j'ai songé qu'il était impossible qu'on ait pu faire ça. Pas toi. Et on a tiré plusieurs fois. Oui, c'est incroyable, non? Tu n'as aucune idée, Lothar, de qui l'a fait et pourquoi? Non, aucune idée. Chère madame, peut-on être seul une minute? Oui, naturellement. Pardon. Et voilà, maintenant je vous écoute, monsieur. De loin ou de près, nous ne voyons aucun motif réel à ces deux attentats contre votre mari. Vous saisissez? Aucun motif. Seulement un auteur. Et il doit s'agir de quelqu'un qui se la tient particulièrement à cœur. Il est probable qu'il ne peut s'agir que d'un malade. Pourquoi abattre ce monsieur? Pour quelle raison? C'est très exactement ce que je me demande. Voyez-vous... Je ne voudrais en rien nuire à mon mari, bien entendu. Mais il est ridicule de dire cela. Il a une très bonne nature. Et comme toutes les bonnes natures, il est quelquefois embêtant. Un monsieur qui élude de toute discussion, toute bagarre, tout ce qu'il gêne. Il a peu d'amis, par conséquent, peu d'ennemis. Il connaît le talent. Mon Dieu, je me demande encore s'il a un talent quelconque. Non, aucun. Au moins aucun particulier. Il est... Comment puis-je expliquer? Il est d'un caractère doux. Oui, oui, c'est exactement le mot. Je ne vois rien d'autre à vous dire de lui. Vivez-vous ici? Oui, je vis ici. Il y a longtemps? Non, il y a 3 mois. Très joli appartement. Vous ne l'aviez jamais vu? C'est moi qui l'ai installé. Pour ma femme. C'est très beau. Vous avez bon goût. Encore une question. Votre mari, me semble-t-il, dispose d'une belle situation et d'une belle fortune. Qui héritera à sa mort? Vous pensez, je le suppose... Vous pensez si mon mari est tué? Alors... Sachez que moi, je n'ai pas le plus petit intérêt à la mort de Lothar. J'avoue que j'en ai beaucoup de regrets. Sa fortune est importante. Mais il a de la famille. Parlez-en donc avec mon beau-frère. S'il n'est pas encore en cure de désintoxication.
Vous avez très peu de contact avec votre frère. On ne se voit guère souvent. Que fait-il? Je crois qu'il est photographe. Il a une mauvaise santé. Il est alcoolique. Il est difficile de l'aider. Pas avec de l'argent, il irait le boire tout de suite. Ses enfants eux-mêmes ne le voient presque plus. Ils sont très bien, heureusement. Oh non. Mon Dieu, l'auteur. Mon frère ici. Il y a un bail, dis donc. On te voit les années bissextiles. Je te manque à ce point. Bonjour, Arnold. Monsieur Lippert. Inspecteur Derrick. Dis, tu n'oses plus sortir seul. Comment vas-tu? Tu t'occupes de ça? C'est amusant. Tu le vois comment je vais. Je vais comme un homme auquel personne ne s'intéresse. J'avais un frangin, j'avais des gosses, mais tout le monde s'en fout. Dis, tu m'apportes un peu à boire, Lothar. Donne-moi une petite bouteille, faut que j'en ai une. J'ai Walter au téléphone, il devait venir me voir. Je doute qu'il vienne. Quelle heure il est? Tu as aussi vendu ta montre? 4 heures. 4 heures. Il a dit qu'il passerait. Il ne viendra plus. Tu sais ce que je pense. Ils n'attendent qu'une chose, que je crève. Que tu crèves aussi. Ça leur ferait plaisir. Seulement, ils vont attendre encore. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qui c'est, ce type? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Tu veux me faire boucler, toi? Sortez! Foutez-moi le camp d'ici! Mais fous-le dehors! Fous-le dehors! Désolé, j'ai pas pu plus tôt. Ça fait rien, ça fait rien. Tu l'as apporté, là. C'est très bien. Les attentats contre toi étaient dans le journal. J'ai voulu immédiatement te téléphoner, mais tu n'étais pas à ton bureau. Non. À la maison, il n'y avait personne. Le principal Derrick de la police criminelle qui a pris les choses en main. Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé une explication à ces deux attentats? Non, pas jusqu'ici. Pas de raison? Nous n'en voyons pas. Mais seulement il y a un motif, certainement. Oui, je pense. Mais que faites-vous ici? Monsieur Derrick pensait que ton père saurait quelque chose. Mais pourquoi père? Pourquoi? Eh bien, chaque homme possède une certaine personnalité. Je voulais me rendre compte de celle que possédait votre père. Nous fréquentons très peu mon oncle. Ni mon père, ni moi, ni ma sœur. Nous ne sommes pas du même monde. Nous vivons dans des sphères différentes. Allô? C'est encore moi. Oui, je m'attendais à votre coup de téléphone. Vous attendiez que j'appelle? Oui, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir? Pourquoi? Il est très difficile de donner une raison. Votre voix, peut-être. Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Vous avez une sorte de douceur admirable. Quel est votre âge? Ça n'a aucun intérêt. Je sais que vous me surveillez, que vous me gardez. Mais pourquoi? Vous ne savez pas qui je suis. J'ai écouté votre voix. Alors maintenant, je vous connais. Et vous dites que ma voix est agréable. J'en dis autant de la vôtre. Je me trompe rarement quand j'entends la voix de quelqu'un. Et j'ai l'impression de vous avoir toujours connu.
Il faut que je raccroche. Bonne nuit. Allô? Allô? Voici Walter Lippert et voici l'inspecteur Clark. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je ne savais pas qu'on se reverrait aussitôt. Que faites-vous ici? Eh bien, disons que nous avions envie de boire. Oui. Inge, je t'ai parlé, je crois, de l'inspecteur. Excusez-moi, quel est votre titre principal? Ma sœur, Inge. Salut. Salut. Êtes-vous ici en service ou en balade? Oh, on arrive à mélanger les deux, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez danser? Ah, volontiers. L'histoire de votre père est une histoire tragique. Oh, vous savez, quand il est au bout du rouleau, je lui apporte une bouteille. Sinon, il devient très vite odieux. Il ne se contrôle plus du tout, vous saisissez? Oui. C'est curieux de ne garder aucun contrôle. L'alcool détruit tout. C'est pas nouveau ce que je vous raconte, mais je crois que tout le monde est dingue. Vous aussi, vous êtes alcoolique? Non, non, moi je suis plutôt normal. D'autre part, pouvez-vous me dire ce qui est normal ou non? Votre oncle est-il normal? Mon oncle? Il est fou, fou à sa manière. Chacun doit l'être à sa façon. Mais mon oncle est un homme étrange. Vous devez danser rarement? Vous l'avez remarqué. Tant pis pour vos pieds. Ça ne fait rien. Pas le temps? Eh non. Vous m'offrez un coca? Oui. Un coca, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites de toute cette affaire avec mon oncle? Eh bien, ce n'est pas une blague. Vous avez une opinion? Non. Qu'en pensez-vous? Je ne connais absolument plus mon oncle depuis bien longtemps. Des années, je suppose. C'est comique, non? Il est presque devenu un étranger. Et j'ignore pourquoi. Je suis vraisemblablement une brebis galeuse. Tout ça m'est égal. Je ne suis pas très normale, selon vous. Allez, bonne nuit, on rentre. Stéphane? Oui. La sœur m'a demandé de l'accompagner. Très bien. Tu n'as qu'à prendre ma voiture. Tu es gentil. Tu viens me rejoindre au bureau. D'accord. C'est une vraie voiture de police, votre engin? Oui. Vous n'avez même pas de gyrophare. Parce que je l'ai planqué. Et vous êtes un vrai policier? Mais oui. Ça vous paraît curieux? Non, mais jusqu'à maintenant, jamais je n'en avais connu.
Je mets la musique. Mais allez-y, mais poussez le bon bouton, sinon ce sera la sirène. Celui-là ? Oui. Vous peignez, vous aussi? Non, non, non. J'ai le droit de venir dormir. Le peintre est un de mes amis. Merci. De rien. Il a un autre atelier en Toscane. Je vais chercher quelque chose à boire. Mm-hmm. Mais une toute petite goutte. Bien entendu. Pourtant, lors des alcotestes, vous êtes pas mal placé. Vous n'avez qu'à montrer vos papiers. Eh oui. On ne cherche pas d'ennui à un collègue. Bien sûr, mais j'aimerais autant l'éviter. Vous... Voulez-vous rester couché chez moi? Ce serait rassurant. J'aime pas être seule la nuit. Vous allez me prendre pour une drôle d'allumeuse. Ça dépend de ce que vous voulez de moi. J'ai très peur. Oh, pas le jour. J'ai peur la nuit. De quoi avez-vous peur? Je n'en sais rien. C'est une espèce de... une sorte de panique intérieure. Que je ne peux pas maîtriser. Vous avez une raison d'avoir peur? Non, aucune en particulier. Croyez-vous que les gens qui voulaient tuer mon oncle ont des chances d'y arriver? C'est idiot de penser à ça. Vous voulez un whisky? Dis-moi, Harry, est-ce que la voix peut être elle? Non, non. Elle voulait sûrement dire quelque chose. Quelque chose qui lui restait sur le cœur. Seulement, ça restait coincé dans sa bouche. Elle est sans argent, sans appartement. Elle vit là où on veut bien la laisser vivre. Prostitution? Hors de question. Est-ce qu'elle a parlé de son frère? Pas un mot. Oui, mais moi, je l'ai suivi et il s'est rendu dans une boîte louche. Un endroit qui est bien connu des services de la criminelle, le lieu de rendez-vous des truands. Habitué à la prison. Et cela pourrait donner à penser que les attentats seraient l'œuvre de professionnels. Et que Walter Lippert pourrait être dans le coup. Oui, mais pourquoi et comment? J'appelle Monsieur Lippert, Harry. Je veux savoir si sa femme a appelé. Je crois que c'est elle, la clé. Stéphane, il est 1 heure. Je sais l'heure qu'il est. Occupé. On bavarde au milieu de la nuit? Non, je ne suis pas fatiguée. Mais je n'osais pas vous téléphoner. Il est déjà très tard. Vous devez m'appeler quand vous voulez. Cela me donnera mauvaise conscience. Pas du tout, bien au contraire. Je désirerais mieux vous connaître. Moi? Je suis grande, mince et blonde. Non, non, c'est un mensonge. Je suis petite, rondouillarde et brune. Je suis sûre que vous mentez. Peut-être. J'essaie d'imaginer comment vous êtes. En avez-vous une petite idée? À quoi vous ressemblez? Oui. Vous êtes... comme vous êtes, et c'est pour ça que je vous aime. Maintenant, il faut dormir. Bonne nuit.
Derrick. Bonsoir, monsieur. Désolé de vous embêter à cette heure. Monsieur Derrick? Je voudrais que nous passions vous voir une minute. C'est important, veuillez nous excuser. Si vous pensez que c'est tellement urgent, venez. C'est très gentil, monsieur, d'accepter de nous recevoir aussi tard. Il s'agit de votre neveu, de votre nièce. Merci. Mon neveu et ma nièce? Oui, monsieur. Que savez-vous à leur propos? Est-ce que vous verriez un rapport avec les attentats contre moi? Oui. Lequel? S'il vous arrivait quelque malheur, excusez-moi, monsieur, qui hériterait? Qui? Ma famille, mon frère. Qui pourrait très bien être mis sous tutelle. Et qui ferait une chose pareille? Mais ses enfants. Parlez-moi donc de votre neveu. Vous faites des suppositions que j'estime un peu hâtives. Mon neveu est un enfant qui ne sait pas encore ce qu'il veut. Il n'a aucune profession définie. Il se contente de travailler de droite et de gauche. Mon neveu est un homme assez velléitaire. Il rate tout, malgré ses prétentions. Il ne possède pas d'argent, seulement pas au point de me tuer. Retirez-vous cette idée de la tête. Vous connaissez le casier de votre neveu? Oui. On m'a dit qu'il avait eu un jour une affaire de drogue. Les jeunes sont curieux de tout et veulent tout essayer. C'était également un dealer. Et supposez qu'il se soit habitué à la drogue. Et qu'il soit poussé par ceux qui ont pu lui en procurer. Et qui ont vu une belle possibilité de lui soutirer une assez grosse fortune, la vôtre, naturellement. Mais comment ces gens seraient en possession de l'argent après que je sois mort? Ça, je vais vous le raconter. Votre frère hérite, naturellement. On le fait mettre sous tutelle. Et après, ce sont les deux enfants qui deviennent les seuls héritiers. Et si votre neveu est sous dépendance de la drogue, tout devient facile pour vos meurtriers. Ils le presseront comme un vulgaire citron. Ils finiront par lui soutirer jusqu'au dernier pfennig. Mais mon neveu ne peut être impliqué dans ce genre d'histoire. Ça n'est pas nécessaire. Le plan est fait sans lui. Il s'agit d'une bande de truands pour qui le meurtre est une chose courante, une affaire commerciale. Ils n'ont pas besoin de votre neveu. Oh, excusez-moi, connaissez-vous un certain endroit chez Rose, dans la Rosenstrasse? Non. Votre neveu y est souvent, ainsi que tous ses copains pour qui un attentat est monnaie courante. Ah oui, j'aurais encore une chose à vous dire. Vous avez eu un coup de téléphone ce soir, au milieu de la nuit. Pouvez-vous me dire qui c'était? La femme qui vous a prévenu? Oui. On peut écouter la bande magnétique? Non. Et pour quelle raison? Je n'ai pas fait de bande. Pourquoi? Cette façon d'agir ne me plaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne me plaît pas? Vous savez que c'est la clé de toute l'affaire? C'est par vous qu'on peut trouver l'agresseur. Est-ce que vous lui avez parlé souvent? 3-4 fois. Et vous n'avez pas enregistré les coups de fil? Vous ignorez donc l'importance que ça peut avoir. Par la voix, on peut avoir la femme, et par elle, les meurtriers. Et je suppose que cette femme a une peur affreuse. Et je ne veux pas qu'elle court de danger. Adolphe Kuschmann, locataire de la boîte chez Rose. Considéré comme un être très dangereux. Casier judiciaire chargé, homicide volontaire. Walter Busch, serveur chez Rose, une belle crapule. Il a une chambre au-dessus de la boîte. Emménage avec cette femme, Charlotte Drewitz. Elle travaille au bar et à la cuisine de la boîte. Mais il n'y a aucune petite dans la boîte? Ah, il y aurait une petite. Quelle description? Aucune. On sait seulement qu'elle a une assez belle voix. Vous n'allez pas à la fabrique aujourd'hui? Non.
Serez-vous là à midi? Je n'en sais rien, mais il me semble que non. Votre sœur habite, je crois, dans la Rosenstrasse. Oui. Pourquoi, monsieur? Est-ce qu'un endroit du nom de chez Rose vous est connu? Non. J'ignore ce que c'est. Mais c'est sans importance, madame Wolf. Vous n'avez donc pas peur? Si, madame Wolf. J'ai très peur de tout. Qu'est-ce que vous désirez? Une bière, monsieur. Pils, export? Une pils. Pils. Êtes-vous déjà venu? Non. Nous n'avons que des habitués, c'est pourquoi je vous le demande. Je vous sers. Non, je ne suis pas au courant. Mon frère ne me dit rien. Je lui demande tout le temps. Allons, Walter, qu'est-ce qui se passe encore? Quelquefois, il est très normal, et puis tout à coup, il devient... Il est dingue et il me fait peur. Eh oui, il fallait s'y attendre. Écoutez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Comprenez-vous ce que je dis? Que voulez-vous? Tu es obligé de lui répondre, Walter. Connaissez-vous une boîte nommée Chez Rose? Chez Rose. Vous connaissez? C'est là qu'on vous procure de la drogue. Y rencontrez-vous une jeune fille? Peut-être la fille d'un des employés? Madame Trévitz a une fillette. Il y a 2 heures que vous êtes là. J'ai tout mon temps. Vous attendez quelqu'un? Peut-être, oui. Est-ce que ça vous énerve? Une simple question. Oui, j'attends quelqu'un. Écoutez, on n'aime pas qu'on vienne nous espionner. On connaît tous nos clients, et les gens comme vous, on s'en débarrasse à coups de pied dans le cul. Alors, sirotez votre bière et fichez-moi le camp. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous parliez de cette boîte, j'ai voulu me rendre compte. Oui. C'est aussi pour ça qu'on est là. Vous êtes Bush? Oui. Walter Bush? Oui. Nous sommes de la police. Monsieur Koussman, vous habitez la maison de Bush? Oui, au premier étage. En compagnie de madame Drevitz? Oui. Je voudrais voir la chambre. En quoi ça peut vous intéresser? Que voulez-vous y trouver? La piole est impec. Enfin, si vous voulez la voir, je vous en prie.
Tu me surveilles, monsieur Koussman. Charlotte, viens. Suivez-nous, monsieur Lippert. Je sais qu'on raconte beaucoup de choses sur nous. N'en finis pas s'y habituer. Jetez un coup d'œil. Je vous autorise à fouiller partout. Je n'ai pas de secret. Ok. Est-ce que je pourrais savoir ce que vous cherchez? Enfin, tout est à votre disposition, tout est ouvert. Ne vous gênez surtout pas. Navré pour le désordre. Vous continuez? Par ici, la cuisine. Il y a une autre chambre. Excuse-nous, Anita, ces gens-là font une petite ronde. Policier. C'est la fille de Madame Drewitz. Venez, monsieur Lippert. Je suis heureux de vous avoir retrouvé.